Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Toi, petit, hey, fais attention. Comment peux-tu être si petite et avoir un bateau comme celui-là? Parce que je suis pas petite, c'est le bateau de ma mamie. Quelle mauvaise grand-mère pour avoir laissé un enfant seul, enfin, comme ça. Tu vas apprendre, dans ce monde, tu n'as besoin de personne d'autre que toi. Ce n'est pas vrai. Tu le dis, petite. Je suis pas petite. Je m'appelle Koa. Enchanté, Koa. Je m'appelle Eriti. Je suis la pirate la plus rapide de Mara. À présent, si tu veux bien m'excuser, je vais reprendre ma route. L'océan est à vous. Évidemment. J'espère que nos chemins ne se croiseront plus jamais. Au revoir, peut-être. Ce n'est pas le bon moment pour parler. Celle-là ne l'est jamais. Combien en échange? Je vais la porter à mon oncle et je rassemblerai les pirates en attendant. D'accord? Où est-il? À Koalis? Je ne sais pas si je connais cette île. Il y a un manoir que vous avez là-bas. Mon oncle est Aquila? Oui, c'est surprenant qu'une petite fille la connaisse. Ça porte lui ceci. Il vient à la fleur quand tu l'auras fait.
J'ai quelque chose pour vous, c'est de la part de votre nièce. Ah, tu rejoins l'équipage de pirates de Rigata. On ira loin. Je suis content pour toi. Non, ce n'est pas du tout ça. Elle m'a simplement demandé de lui rendre service. C'est une jeune fille adorable, tu ne trouves pas? Je ne sais pas pourquoi elle a fugué de chez elle. Je ne comprendrai jamais, mais... Ah? Vous êtes un élite. Vous êtes malveillant comme ceux qui travaillent pour la station de recherche. Je ne crois pas qu'on puisse être de mauvaise nature. Toutefois, nous autres, les élites, sommes très semblables. En ce qui concerne les affaires, ne m'intéresse pas. Ce qui manigance, c'est une manigance quoi que ce soit d'ailleurs. Vous voulez bien nous aider? Eh bien, ça ne m'intéresse pas non plus. Fais-le ce que tu veux. Mais ce n'est pas pour rien si je vis isolé du reste du monde. Les adultes sont très solitaires, non seulement ceux qui ont été blessés, c'est à prendre à ces pièces. N'as-tu rien de mieux à faire d'ailleurs? On m'attend à la fleur interdite. Plus tu es là, Rigata m'a demandé ton aide. Elle est au beau milieu de l'océan, elle recherche un trésor, mais elle a perdu la carte que je lui ai donnée. Heureusement, je la conserve toujours une copie de tout. Apporte-lui une copie de la carte, la clé, une chasse au trésor, excellent. Et... Ok. Hey. Calmez-vous, calmez-vous. Personne ne cherche les ennuis ni de faire de bruit, c'était un chaos. Voilà, la petite moussaillante de Mara se tient devant nous et elle veut nous proposer quelque chose. Bonjour. Depuis quelque temps, une présence maléfique s'est installée à Mara. Les éléphants du mal nous essayons avec leur station de recherche. Ils empoisonnent tout ce qui se trouve sur leur chemin. Nous devons les affronter. Cette petite à la tête, sur les épaules et sans honnête. Nous devrions alors voir ce qu'ils aient. Faites ce que vous voulez, mais ne venez pas me déranger. Ça ne coûte rien d'approcher les zones autour des stations, puis nous verrons ce qu'il faut faire. Nous devons absolument agir. Très bien, est-ce que nous sommes tous d'accord? Ce sera sans moi. Mais Reddy, tu comptes sur toi? Et j'ai dit non. Si elle a besoin d'aide, qu'elle demande à la marine. Elle doit toujours rester des membres quelque part. Et Reddy, tu sais pertinemment que la marine n'existe plus. Je crois que vous êtes la seule qui ait de puissance nécessaire pour les battre. Non, petit, tu es tout seul sur ce coup-là. Le rôle des pirates n'est pas de sauver les gens. Par les entrailles de Grand Loom, le pirate Eretti, je crois que même lui aiderait dans ce genre de situation? Bien sûr que non. Il profiterait du chaos pour tirer avantage de la situation et ce que nous devrions faire. Mara disparaît. Ne va pas croire à un scénario catastrophique. Mara existe bien avant nous tous et continuera d'exister bien après la disparition.
Bref, tout ça est un monument tel. Alors, faisons quelque chose. Les pirates. Paris surtout. Paris en notre soutien. Bonjour Samy, comment se passe la mission concernant les élites? C'est pour ça que je viens de vous voir, je dois participer à une course. Les pirates m'aideront à condition que je batte l'un d'entre eux. Est-ce que ton adversaire est si doué que ça? Oui, elle s'appelle Eriti, c'est une jeune Quido obstinée, Eriti. La fille de Jet. Je dois avoir une photo dans les barrages. Regarde-lui, c'est Jet, là c'est la grand-mère. Ouais, ils ont l'air jeunes. Ouais, nous étions tous. J'aime vous voir tous ensemble. Dis-moi, quel est ton problème avec Eriti? Je dois l'affronter à la course, mais je ne sais pas à quoi parier. Il me reste quelques affaires ici, des souvenirs de cette époque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la gramophone de Jet. Il joue des morceaux de musique classique du passé de Mara. C'est un beau souvenir de Jet. C'était le seul que j'ai de lui. Jet était un voyou, mais c'était un bon quido. Il aimait tellement Eriti, il parlait constamment d'elle. Ça lui faisait beaucoup de peine de ne pas être à ses côtés lorsque ses voyages. Il s'impliquait énormément dans la marine. Il a aidé beaucoup de monde quand il était avec nous il y a quelques années. Il a disparu. Ça me dérange pas que je le prenne. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis sûr qu'il rappellera de bons souvenirs à Eriti aussi. J'essaierai de ne pas le perdre. S'il te plaît, oui. Si tu parviens à le garder, ça me ferait énormément plaisir. Comptez sur moi.
Thank you.
Voilà, abandonne jamais ton bateau, ne pas traîner. Le meilleur bateau de ma race est celui de la capitaine de la marine. Ne me fais pas rire. Mais quand tu pariais, j'ai apporté un gramophone. Est-ce qui vous intéresse? Où vous êtes trouvé? Celui d'une amie. Il s'appelle Sammy. Ami? Il était l'ami de votre père et de ma grand-mère, Aku. La petite fille Aku, et tu oses venir ici? Mon père parlait sans cesse de sa capitaine, la vieille Aku. Eh bien, je vais faire la course sur toi et je suis prêt à t'apparier ce cristal. Le cristallide de la peau. Elle appartient à ma grand-mère, j'en étais sûr. Un jour, un messager est venu voir mon père et il m'a trouvé. Il m'a apporté plusieurs choses. Une lettre au message étrange, une sphère en cristal et des instructions disant que si une fille apparaissait, que je devais lui donner. Mais je ne suis pas mon père. De me le rendre. Les choses ne fonctionnent pas comme ça ici. Vous devez le mériter. Qu'en penserait votre père? Mon père? Il m'a abandonné il y a des années de ça à cause de cette fichue marine. Il a lubi de vouloir protéger des eaux, tandis que tout là-bas oubliait ce qui est véritablement important. Mon père était un oncle dont je me suis débarrassé il y a bien longtemps, mais il n'y a pas de mais, petit. Tu es la fille de marine comme moi. Vois la vérité en face. Pour eux, leur océan était plus important que nous. Ce n'est pas vrai. J'espère que le capitaine de mon père t'aidera, parce que je ne le ferai pas. Je te l'avais dit. Maintenant, le garçon de Jeff appartient. Moi, j'ai essayé. Eh bien, tu me donnes le cristallide. Jamais, je reviendrai. J'ai peur, je vais encore. Je peux pas être. Tout le monde finit par abandonner. Ce sera pareil pour toi. Je n'abandonne jamais. Je ne suis pas de famille. Va les retrouver et ne reviens jamais. Et plein d'amis. Les petits animaux. Aidez-moi, tes pieds. Voilà ma famille. N'importe quoi, tu es la seule. Ah, je sais. As-tu dit? Tu reviens. Vous parliez de nouveaux cristaux. Thank you.
Cette-là, petite, pourquoi me tortures-tu avec la fleur? Ça sent pas assez sexy, c'est important pour moi. Dis quoi? Que ce soit à propos de cette fleur, je sais qu'elle pousse sur mon île. Aku l'a donnée aux membres de son équipage et mon père me l'a donnée ce jour. Il est arrivé qu'il m'apportait tout un bouquet qui fleurissait pendant son absence. Il parlait toujours de Aku avec ferveur. Petite Jet m'aimait, pourquoi il m'a-t-il laissé seul? C'était mon père et pourtant il m'a abandonné tout ce que je sois élevé dans l'académie de la marine. À vrai dire, j'en sais rien. Peut-être que ce n'était pas un bon moment, peut-être que tu n'as pas à le pardonner, mais tu ne peux pas le détester jusqu'à la fin de tes jours. Ce Quido, ma grand-mère Aku disait que parfois on se devait de quitter notre île. Mais ce que je voulais pas dire, que nous ne t'aimions pas. Je pense toujours à mes mouettes quand je suis loin d'elles. Et mes plantes aussi, je reviens toujours les arroser. Ce n'est pas pareil, mais je suis sûr que votre père vous aimait, même si ce n'était pas un bon père. Et tu seul aussi, avant je l'étais. Mais maintenant j'ai plein d'amis. Je ne déteste pas ma grand-mère de m'avoir laissé seule sur l'île. Petite, tu es très mature. Et parce que je suis une aventurière, essayant de quelque chose, je vais parier le cristal contre la fleur. Marche conclu, marche conclu. Je pense que je vais du mauvais bord. C'est ça le problème, je pense. C'est joué de peu, mais la victoire n'a fait aucun doute. Oui, on dirait bien, tenez la fleur. Quoi? Mais tu as gagné. C'est votre consolation. Vous n'avez pas oublié de le passer, gardant les bons souvenirs que vous avez. Le jet. Bien, le cristallin à toi. Oh, super. Fait, qu'est-ce que je disais la lettre? Je m'en souviens pas très bien. Cela disait que Aku avait besoin de l'aide de son équipage une dernière fois ou quelque chose comme ça. Que les cristallites devaient être protégés. Un jour, une fille viendrait la chercher. Et que nous devrions la donner uniquement si on entend. On s'est prêt. C'est pour ça que le cristallide a disparu. Ou peuvent être les deux autres. Regarde, j'ai des souvenirs de mon père. C'est une photo de son équipage. Il me l'a montré lorsqu'il racontait cette histoire dans la marine. Peut-être que Sammy, Donna et les autres cristallins, on dirait bien. Je vais demander à Sammy à propos des légendes. Je parlerai aux autres pirates, ne t'en fais pas. Tu vois, Sammy. Voilà, maillot ensuite. Est-ce que tout se passe bien avec les pirates? Je crois que j'ai réussi à les convaincre. Fantastique. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Je voulais vous interroger au sujet de la lettre de Aku. Quelle lettre? On est rencontré, vous avez parlé d'une lettre. Je me demandais si vous aviez quelque chose d'autre pour moi. Moi? Non. Je ne crois pas. D'accord. J'ai vu cette lettre sur l'île. Tu devrais en parler à Akagi. Elle est passée il y a peu, vraiment? Oui.
Il est possible que la situation soit plus plaisante qu'on le croit. Je vais aller la voir. Ok, j'ai espéré que les élites sont venues t'importuner. Ils ont été assez agressifs. La femme était particulièrement désagréable. Elle voulait savoir si je comptais vendre ma forge. C'était insupportable. Elle a mis de mauvaise humeur. Qui va là? Ne t'en fais pas, c'est moi, quoi. Il dit, oh, salut, quoi. Pardon, mais je ne sortirai pas d'ici. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de la forge? Il s'avère qu'il n'est jamais venu sur l'île parce que Philly, Mini, Tilly, sont ses sœurs. J'espère ne jamais avoir à revenir. Et mes frères, apparemment, il n'était pas gentil avec lui quand il était petit et il a toujours peur d'elle. C'est pour ça qu'on se retrouve toujours sur un bateau et qu'il se cache ici. Ah, pauvre Letio, ne t'en fais pas pour moi. Peut-être que No et Caleb pourraient t'en dire davantage sur le problème d'élite. Je sais qu'elle était dans les parages tout à l'heure. Merci, Akaji. Tu rencontres les pirates quand tu naviguais, évidemment. Je suis ami avec Letio, je connais Thelma et Monsieur Echo. Et tu connais Monsieur Echo, génial pirate moqueur. Je suis jalouse. Je ne vois pas pourquoi. Il est plutôt petit, il est immense, Monsieur Echo. Je suis sa plus grande fan. J'aimerais avoir un objet qui lui appartient. Je peux aller lui demander quelque chose pour toi. Tu ferais ça? D'accord, ça, tu me joues plus le tout. Ah, d'accord, je te promets. Peut-être comment vas-tu? Eh bien, je voulais vous demander si une élite était passée tout à l'heure, une femme de cette taille aux cheveux violets, exactement. Oui, elle était déjà passée il y a quelque temps. Qu'est-ce qu'elle voulait?
Elle voulait acheter tout ça, mais elle a proposé une fortune qui serait payée par le baron. Mais ce n'est pas à vendre, parce que tout ça nous a demandé des années à Khaled. Nous avons beaucoup voyagé, tu sais. On est inséparables, on est allés partout secouer. Nous ne donnerons pas tout ça au premier venu, c'est notre maison. Vous avez bien raison, puis elle a pris un air suffisant, alors je lui ai dit que son âge. Autrefois, dans une grande ville dans le sud, j'allais dû négocier le prix d'un tissu. Le couido avec qui je marchandais était horrible. Elle m'avait énormément effrayé à l'époque, évidemment, mais ça n'a pas intimidé Khaled. Ben non, il l'a regardé droit dans les yeux et il a appelé trois fois le prix que nous voulions. Elle a écouté sans sourciller et au bout du camp, rien, ce tissu était très laid. Ça c'est sûr. D'accord, merci beaucoup. Je devrais aller voir le jeune homme qui vit au manoir. C'est qui là? Oui, Lilith, elle est par là, peut-être qu'ils s'entendent bien. J'y vais. Syndica, salut! Est-ce que vous êtes prête à mettre le prix? Évidemment, nous ne regardons pas à la dépense, alors c'est à vous. Je suis certain que ce sera mis en valeur dans votre décoration. Ce n'est pas de la décoration, monsieur. Comment faites-vous pour vivre sur cette planète misérable? Honnêtement, ce n'est pas si mal que ce que vous pensez. Je passe outre les préjugés que les élites peuvent avoir. Vous faites partie de ces nobles qui ne croient pas au progrès? Je crois à ma quiétude personnelle. Tout le reste m'importe peu. Baliverne. Eh bien, je crois que nous avons terminé notre transaction. Au revoir. Hey, Akila, qu'est-ce qu'elle voulait? Quoi, il n'est pas poli d'écouter aux conversations, c'est vrai. Elle voulait la pierre de Rigata, avait trouvé il y a quelque temps. On voit le dessus d'une spirale avec quatre grands cercles. J'ai une copie de ce qui est inscrit dessus. Je veux toujours une copie à la discrétion des possessions, et cela aurait pris un prix, mais je peux te le vendre si ça t'intéresse. Vous ne me le donneriez pas gratuitement, même si ça embêterait tous ces élites malveillants. J'adore embêter ces élites-là, mais j'aimerais aussi m'acheter une nouvelle argenterie. J'espère que ce n'est pas trop cher. Tenez, voilà la transaction agréable. J'espère qu'elle servira. Ça ressemble un peu à la spirale sur ma porte. La porte, ça a mis la copie de la pierre unique. Bon. Samia Akila a donné ça, il est intéressant énormément à ce symbole. C'est un symbole de Mara, une vieille superstition. On peut voir des spirales antiques sur de nombreuses ruines. Je vais faire quelques recherches et voir si je trouve quelque chose et je tiendrai au courant. Super. Rendu-toi bien. Quoi? Ah, vous m'avez fait peur. Pardon, mais c'est urgent. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'on lui dit oui, ne sois pas timide. Allez, tu dois te rendre dans le temple de Mara pour faire des offrandes. Les fontaines de Mara sont brouillées. Nous t'avons observé et tu sens maître Ding. Pardon, mais je ne peux pas. Ouais, tu ne comprends pas, c'est très important, tu dois le faire. Non, vraiment, Blue, en ce moment, on dirait qu'elle n'a pas envie de le faire. Je sais. À qui parlez-vous? Tu le découvriras dans le temps, dans les temples. Les esprits de Mara ont besoin de toi. La plupart d'entre eux ont des êtres paisibles. Je vois. Quand tu le verras, tu comprendras. Je te ne demande pas de le faire si ce n'est pas autant pris. Je t'en comprends. Tu d'accord, j'irai voir ça. Mmh.
Salut Kaji, comment tu vas? Cette histoire avec ses sœurs semblait lui faire peur. En fait, je voulais justement te parler de ça. Tu veux bien aller les voir? Tout le monde sait la peur d'elle. Je n'ai pas peur, moi. Je me doutais que tu dirais ça. Dans ce cas, je vais aller leur parler. Je dois vous parler de Letio. Ce sale vaurien, où est-il? Laisse-nous le voir. Il n'est pas là, mais il aimerait venir sur l'île. Qu'il vienne, nous avons hâte de le revoir. Vraiment, bien sûr, c'est notre petit frère. C'est faiblard. Quand nous étions enfants, on l'embêtait toujours. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas venir. Alors maintenant, vous allez arrêter de l'embêter. Letio veut visiter l'île, à condition que vous arrêtez d'être méchante avec lui. D'accord, on se tiendrait bien. Tiens, prends cette sucette. Petit Letio les adorait. Comme ça, il saurait que nous ne l'avions pas oublié. Merci beaucoup, je lui donnerai. Que tout est réglé avec les sœurs de Letio et sans dire qu'il lui donnait cette sucette, je suis sûr que ça lui rappellerait son enfant. Je vais lui donner, merci. Dis-moi ce qu'il vous faut. Tu dois aller au Colosse de métal au nord. Il y a des pièces dont j'ai besoin là-bas, mais je ne peux pas y aller. Mais Letio ne peut pas y aller pour vous. Impossible, il ne supporte pas le froid. Et il refuse de mettre une veste. Il porte toujours cette chemise. Tape à l'œil. Très bien, j'irai.
Bien sûr, que vous pourriez me donner quelque chose que vous ne voulez plus. Entends-tu par là, j'ai une amie qui veut devenir pirate. Elle vous admire et elle aimerait quelque chose qui vous appartient. D'accord, capitaine, les fans ont toujours la priorité. Voyons ce que j'ai. Est-ce que tu veux une paire de lunettes de soleil sans la marque de fabrication et aussi les jolies hautes formes ou des prothèses dentaires? Vous avez pas quelque chose qui fasse plus pirate? Voyons. J'avais un crochet en or avant, mais ce fichu moi me l'a volé. Et ça, c'est un oiseau géant. De loin, on dirait une mouette, mais ne te fais pas avoir. Il m'a volé mon crochet il y a plusieurs années. Je suis sûr qu'il est toujours dans son nid. Comme tu es jeune, tu arriveras peut-être à grimper jusqu'à son nid. Je vais aller chercher. Et pas si vite. Fais attention à cet oiseau. Voilà, la course est presque prête. Ah, super. Il me faut un papier et de l'or pour préparer son invitation. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, s'il te plaît? D'accord. Je ne donne jamais... Je sais là, je l'ai ou quoi? Thank you.
C'est incroyable, le colosse, oui, il est impressionnant. Il n'a pas reçu de décharge en le touchant? Non, il s'est rien passé particulier il y a quelques mois. Quand je suis allé, ce tatouage a apparu sur ma peau. Pas pourquoi. Peut-être qu'il vous a choisi comme pilote, t'imagine? Certaines nuits, leur lueur bleue me réveille. Je te trouve joli, il vous vend bien, merci beaucoup, quoi. Tiens, voilà le matériau pour toi. C'est l'eau qui vend du papier. Ok. La résine s'en coupe à un arbre. Pas poli maintenant, tu es ma messagère, donc tu... Malade, je peux pas 3800 pour une feuille de papier. Pas un arbre. Thank you.
Donc c'était tout pour le live du jeu Summer in Mara. Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!